Salut à tous, bienvenue dans ce stade pour ce nouveau rendez-vous que nous allons vivre ensemble. C'est donc moi qui vais vous commenter ce match. Hervé Matou, fidèle au poste. C'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. Le FC Sochaux contre l'AC Ajaccio. Je suis très content de suivre ce match. À peu près certain qu'il devrait être à la hauteur. L'équipe à domicile, dont voici la composition. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Voici donc l'équipe visiteuse alignée. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2, classique. Allez, je vous souhaite un excellent match. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Allez, dans la surface, il y a du monde. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. La passe est interceptée. Lopi. Attention, ça peut être dangereux. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Lopi. Aldo Kalulu. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Allez, faut centrer vite. Chercher une ouverture, bien sûr. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Un petit peu pressé sur ce ballon. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Ça part au deuxième poteau. Le centre capté sans aucun problème. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, hors-jeu, 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 signalé hors-jeu. À la défense qui a eu chaud. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Le centre qui sort directement en sortie de but. C'est mal joué. Hein.
Lopi. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, ça combine bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Ah, que peut-il faire ? Ouais, l'avantage n'a pas profité. L'arbitre revient au coup franc. Une phase de possession en attendant la faille. Aldo Kalulu. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. En 1-2. C'est parti vers le premier poteau. Et le centre bien négocié par le gardien. Un redoublement de passe bien joué. La petite passe en cloche. Il avance balle au pied. On cherche la faille dans la défense adverse. Ce sera une sortie de but. Il lui redonne. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Et le centre. Le ballon qui a été dévié. C'est un corner à suivre. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de corner. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre l'avantage? Ça s'agite dans les tribunes. Attention à ce corner. Et le sauvetage. Oh, magnifique. Oh, la tête était puissante. Superbe intervention. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, il faut le mettre celui-là. Un mauvais dégagement, mal fait. Le gardien qui repousse, attention. Et le but! Le premier but du match, le voici! Quand on pense que c'est son mauvais pied, la frappe est quand même précise, limpide. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Donne par-dessus. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, très bonne intervention et donc corner derrière. À nouveau ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage.
Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un corner qui ne m'a rien donné. Henri. Ouais, ça c'est très bien défendu. Coutadeur. Diallo. Gaëtan Conté. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, bien vu le centre en retrait. Ah ouais, l'excellente intervention du gardien sur cette grosse frappe. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Interception. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Il a fait une bonne première période, bon match pour l'instant. Il n'a pas toujours été impliqué dans toutes les situations dangereuses, mais il a marqué un but très important. Très important pour lui et pour son équipe. On verra ce que... La seconde période qui reprend à l'instant. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Gaëtan Conté. Allez, peut-être une bonne occasion. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Aldo Kalulu. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Il avance encore. Ah oui, le bon ballon là. Oh, le but! Encore un! Et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore. Tiens, on le revoit là, ça part du bon centre. Ensuite, cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et plusieurs changements en même temps. Ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. Le graphisme qu'il confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. L'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui. On ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper. Ils vont pouvoir jouer la touche. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Oh là, heureusement qu'il était là. Coutadeur. Gaëtan Conté. Allez, il faut centrer.
Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Coutadeur. Diallo. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. Et faute et coup franc bien placé. On va assister non pas à un mais à deux changements hein, par équipe. Ouais, sans problème pour le gardien. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Et ce ballon qui sort en corner. Il va y avoir un changement. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. En retrait, c'est dangereux. Et le gardien qui est sur ce ballon. L'équipe qui, dans l'ensemble, a dominé son sujet. Qui se retrouve devant assez logiquement avec ses deux buts d'avance pour l'instant. On cherche des solutions là. Allez, oui, il va y aller. Oh, ça passe à côté du cadre. Le danger est écarté. Un bon pressing de la défense qui a bien joué son rôle. Lopi, le ballon par-dessus. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Une passe à redoublement qui se multiplie. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Attention, le danger. Essaye de trouver la faille. Ouais, ça c'est bien taclé. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Attention, au contre. Ouais, il a levé son ballon. Pas de souci pour le gardien. Il faut trouver une option disponible. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Ouh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Gaëtan Conté. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention, hein, ces coups de pied arrêtés, ce sont souvent des occasions de but.
Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. 2 buts d'écart, c'est assez logique hein, sur ce qu'on a vu. Ça vient récompenser la qualité du jeu. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.